Salut à tous, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien chez vous. J'étais en train de remettre la petite chaîne pour fermer à l'entrée que je vais refermer tous les soirs. Parce que un point positif d'habiter à côté de la ville, c'est que depuis quelques temps on a un McDo qui est arrivé, donc c'est un côté pratique. Hein. Moi perso pareil, j'en mange aussi et puis je trouve ça plutôt pas trop mauvais même. Bon, pas tous les jours bien sûr, mais ça dépanne bien. Par contre, la contrepartie, c'est que y a des petits malins qui achètent leur drive et qui viennent squatter les champs, squatter la ferme vu qu'elle est un petit peu à l'extérieur du village, et puis qui me jettent un petit peu tous les détritus avant de repartir chez eux. Donc ça, c'est le point négatif, même très noir de tout ça. Et je préfère vous dire que le jour où je tomberai sur quelqu'un qui va me laisser tout ça, il va repartir avec un coup de pied dans le cul. Enfin bref, ça c'est pour la petite anecdote. Bon, ce que j'étais en train de faire depuis hier. Commencer à nettoyer les abords du bâtiment parce que ça pousse sévère. Bon, j'ai passé un peu des broussailleuses, j'ai commencé, j'ai pas terminé. Également, voilà, ici tout le long, là derrière tout ça. Là. Bon, après, quand il y aura le bâtiment, ce sera moins sale aussi. Voilà, bon, la semaine prochaine, je vais m'occuper lui de tout nettoyer, tout décrocher. On a terminé les pommes de terre il y a quelques jours et je suis attaqué rapide au nettoyage autour des bâtiments et tout ça. Ouais, un petit peu là tout ça, bon, restera à je vais ramasser tout ça puis donner aux agnelles. Ça fera un bon petit fourrage pour faire la transition pour la mise à l'herbe dans quelques jours. Donc je vais utiliser ça, je vais le ramasser, ce sera plus propre, et ensuite je vais désherber tout ça. Mais je voulais pas faire du glypho sur des herbes qui font 1 mètre de haut, ça servait à rien. J'ai préféré tout couper, je vais tout ramasser et puis le donner à manger aux agnelles et faire du glypho à la suite de ça. Bon, ce que j'ai fait aussi, c'est hop, j'ai reçu des nouvelles étiquettes pour les silos pour pas que les livreurs se trompent de silo. Donc silo A, silo B pour la fibre, et puis je vais vous emmener là-bas pour les silos poudre de lait, c'est pareil. Bon, vous avez vu en introduction les quelques images sur les cultures, c'est l'état des cultures au 20 mai. Hein, j'ai fait un petit tour de plaine. On fera un tour de plaine en vidéo d'ici quelques temps quand les deuxièmes pommes de terre seront enlevées, parce que les pommes de terre que vous avez vues dans la vidéo d'introduction sont les premières plantées du 1er mai. Les deuxièmes ont été plantées il y a 3 jours, donc forcément ça ne servait pas à grand chose d'aller voir. Il faudra patienter un petit peu, donc on pourra faire un comparatif. C'est la même variété, même densité de plants à l'hectare. On pourra faire un comparatif justement. Plantation dans les conditions limites au 1er mai et plantation dans les conditions un petit peu plus ressuyées 3 semaines plus tard. Voilà, bon, je vous disais, ouais, voilà, hop, ici pour les silos poudre de lait, ouais, aliment lait, hop, silo 2 et silo 1. Voilà, quand on fait nos commandes, on spécifie les silos et on fait des vides silos pour entre les lots et tout ça. Enfin voilà, il y a toute une procédure à respecter. Bon, j'ai commencé pareil. Toutes le talus, j'ai commencé, il faut que je termine. Bon voilà, la débroussailleuse, quand on en fait quelques heures, on aime bien passer à autre chose après, parce que surtout des talus et tout ça, c'est pas facile. Mais ça se fait et c'est à faire de toute façon. Mais bon, ça a bien poussé depuis 2 semaines et donc c'était à faire. Voilà, bon, on va se retrouver là un petit peu plus bas. On va aller voir un petit peu les pommes de terre, à quoi elles en sont dans le champ en dessous. Ah, tiens, je pense que vous allez le voir là-bas, il y a un chevreuil. J'en ai quelques-uns, étant donné que tout le tour c'est un peu débosqué, la rivière dans le fond, les marais de l'autre côté de la rivière, enfin là-bas derrière les arbres c'est les marais. Il y a quelques chevreuils et il y a des perdrix aussi, j'essaierai de vous les filmer. Il y a un couple de perdreaux, de perdrix rouges qui sont là depuis quelques mois, depuis la sortie d'hiver. Des faisans aussi, bon les faisans je m'en passerai bien parce qu'ils font un peu de dégâts. Mais donc voilà, mais les chevreuils, ouais, c'est plutôt sympa à voir. Voilà, ici voilà, c'était désherbé il y a quelques jours et il était temps parce que regardez. Ça commence de sortir, là, je pense que vous pouvez voir là-bas, ici vous voyez, hop, là, là, voilà, ça commence à bien sortir. Alors bon, les pluies post-plantation ont resserré un petit peu la butte, mais regardez, ça reste friable. C'est un truc qui m'inquiète, bon, c'est que maintenant c'est parti au sec, donc les mottes, elles sont incassables. Alors j'espère que ce qui va se passer, c'est que ça va faire sec
reprendre de l'eau, refaire sec et ainsi de suite pour dire que la terre mûrisse. Mais ça, bon, y a rien de sûr. Et j'ai un petit peu peur qu'on soit parti sur du sec après des grosses précipitations. Ça serait vraiment pas terrible. Mais bon, on va pas se plaindre, on a des réserves d'eau. On n'est pas encore là de parler d'irrigation, de quoi que ce soit. Et j'espère qu'on n'aura pas à le faire cette année. Parce que c'est quand même du taf et c'est assez pénible. J'espère qu'on aura de la pluie tous les 10 jours à peu près. Ça serait vraiment génial. Vous voyez, la terre, elle se fissure. Hop. Dû au sec qu'on a depuis quelques jours. Et c'est en train de sortir gentiment. Et bon, apparemment, ça a l'air de lever correctement partout. Donc, je pense que le risque qui était pris à planter dans des conditions limites le 1er mai, c'était peut-être pas le mauvais risque à prendre. Mais bon, à suivre. À suivre. Ça sort, ça a plutôt une belle couleur, c'est plutôt une belle pomme de terre. Maintenant, faut voir, là, il y a de la chaleur. Bon, bah, ça va s'homogénéiser et je pense qu'il y aura un. Là, si ça lève vraiment comme ça, un premier fongie d'ici à peu près une semaine. Fongie, c'est à peu près 30% de levée, 60% de levée, 100% de levée à peu près, grosso modo, pour la protection fongique. Voilà, bon, bah écoutez, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Les blés, début épiaison. Les orges d'hiver, fin floraison, début remplissage des grains. Le maïs, alors le maïs, oui, il a été semé il y a 8 jours maintenant. C'était le samedi du week-end d'avant. J'avais préparé la terre le jeudi et j'avais dans le planning, j'étais au semoir, j'avais le semoir de la Cuma le vendredi. Malheureusement, il a plu quelques millimètres, donc ça a été reporté au samedi. J'ai semé le samedi après-midi, j'ai fait du bon boulot. Et bon, c'est bien germé. On est en germination plus. Je pense que j'ai pas mis trop profond, étant donné qu'on est déjà tard en saison. Je pense qu'avec les beaux jours qu'on a, on devrait voir un maïs qui sort de terre d'ici fin de la semaine prochaine, je pense, j'espère. Bon, ça a été désherbé aussi. Il y aura un rattrapage de fait et un essai certainement acide aminé aussi sur une parcelle de maïs. Tout ça à suivre. Bon, le colza, vous avez vu, il est quand même très fort, il est très beau. Pas malade, pour l'instant c'est sain. J'ai fait un fongie, là je ne repasserai plus dedans, je ne ferai pas de deuxième fongie. Parce que ça m'est complètement impossible de passer dedans parce qu'il fait plus de 2 mètres de haut à certains endroits. Le bénéfice risque à refaire un fongie par rapport à ce que je vais perdre dans les passages de roues, ça vaut pas la chandelle. Donc je reste tranquille. En plus, j'ai pas le produit. Donc ce serait vraiment idiot d'aller repasser. Enfin, voilà, on fera le point à la moisson de ceux qui ont repassé et moi qui ne repasse pas. Avec d'autres collègues qui ont déjà passé, on est transparent de nos résultats. Et on fera le point de celui qui a bien fait ou mal fait. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous passe quelques images de ce qui a été fait depuis, comme je fais habituellement, depuis quelques vidéos. J'espère que ça vous déplaît pas. Sinon, dites-le moi si ça vous plaît, si ça vous déplaît pas. Parce que c'est pas forcément évident de parler et d'avancer dans les travaux, surtout d'une condition compliquée comme cette année, je vous l'avais dit. Donc j'essaie de faire des rushs et puis je vous les passe. Donc là, quelques rushs de la fin de plantation de pommes de terre, on a terminé la nuit. Un petit peu du semis de maïs et puis peut-être un peu de pulvée, je sais plus. Voilà, je vous passe tout ça et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!